Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes Daphné Valsin et c'est un plaisir pour avec nous pour la deuxième émission que nous réalisons dans la série spéciale ça que nous avons fait pour Fête des Mères. Je dis à nous avec Michael Bouin. Moi, la première interview que j'ai réalisée avec Michael Bouin, c'était en 2012. Et à l'époque, il était tellement à parler de famille, à parler de tisseur, de maman, de cuisine maman, etc. Je dis à nous la réaliser dans la maison où il a grandi et nous allons parler avec maman tout, qui va nous parler nous de Michael, qui va permettre nous un autre aspect de jeune DJ ça que nous toujours des platini, nous sur Instagram, etc. Mais là, on est dans son intimité aujourd'hui. Nous avons maman Charon Bon qui est avec nous et Michael, Charon, comment nous aujourd'hui? Pour commencer, il faut qu'on parle de nous. Avant que nous commencions à parler de Michael, il faudra que tu nous parles un petit peu de toi. Qui es-tu, que fais-tu, etc. Moi, je suis Charon Bon. Je suis natif natale de la Guyane anglaise. Je vis en Haïti depuis 29 ans. J'ai rencontré mon mari à l'université aux États-Unis. Et puis, on a décidé de faire notre vie en Haïti. Et puis, Michael est arrivé 2 ans après et mon arrivée en Haïti. Donc, tu vis en Haïti et qu'est-ce que tu fais en Haïti? D'abord, je suis une commerçante, mais maintenant, je suis un food blogger. Oui, je te suis sur Instagram et la page est vraiment très intéressante avec des recettes haïtiennes, avec un petit twist. Oui, j'ai un twist de la Guyane, d'où je suis, avec un fusion de plats asiatiques et les saveurs haïtiennes. Vous avez des racines asiatiques? Oui, oui, définitivement. Mais là, aujourd'hui, on va parler de Michael. Tu m'as dit que Michael est arrivé. Tu as 3 enfants? J'ai 3 enfants. Michael est aîné. J'ai mon fils Pascal, qui est cadet, et ma fille Gabrielle. On a fait une interview, c'est avec Pascal, qui est dans la police. Donc, Michael est arrivé 2 ans après le mariage. Comment est-ce qu'il a été accueilli? Avec beaucoup de joie. Premier enfant, toujours une excitation. Mm-hmm. Et c'était une période difficile en Haïti, mais j'ai décidé, non, je vis ici, Michael. Mais là, Michael vient d'avoir 27 ans, donc il est né en quelle année? 92. Mais Michael a été accueilli avec beaucoup d'affection, beaucoup de joie des deux familles. Et il était le premier enfant du côté de chez moi, mais il avait beaucoup d'autres cousins ici. Et son papa, qui était musicien aussi, avait beaucoup d'influence sur sa vie. Et puis quand il est né, il était déjà dans le studio chez nous. Et c'était le début de son amour de musique. Il m'a dit que vous jouez au piano et que lui aussi, il a joué au piano. Moi, j'ai toujours aimé la musique et j'ai trouvé que c'était un bon métier pour mes enfants. Extracurricular, que les enfants jouaient le piano et le violon. Et puis, Michael disait que je l'ai obligé, mais... Donc, mais là, avant que nous arrivions dans la musique là, je voulais savoir un petit peu comment est-ce qu'il était quand il était enfant. Parce que là, quand on le voit sur scène, il a toujours hyper, etc. Donc, est-ce que c'était un enfant turbulent? Non, il était un bon enfant. Je n'ai jamais eu donné de problème. Mm-hmm. Mais il était très actif. Il aimait le petit comique à la télé, le Power Rangers surtout à l'époque. Et puis, il avait beaucoup d'amis, il jouait, mais il a toujours aimé la musique. On jouait toujours la musique dans la maison. Mais là, il y a une différence entre faire de la musique comme un extra sur ton cursus scolaire, faire de la musique pour s'amuser et faire de la musique comme carrière, c'est vraiment différent. Donc, est-ce que tu t'attendais toujours à ce qu'il se décide à faire comme son père, à faire carrière dans la musique? Non, j'ai jamais pensé que D'ailleurs, Michael a toujours voulu être une pédiatre. Oui, parce que depuis qu'il avait l'âge de 3 ans, il a toujours aimé
d'être médecin. médecine. Donc, pour toi, Michael, qu'est-ce qui a motivé ce changement? Pourquoi changement à venir? J'ai commencé vraiment à travailler sur la musique à 15 ans, 16 ans. J'ai commencé à composer. Et puis, j'ai commencé à faire DJ tout, à jouer dans plusieurs fêtes. Non, mais il y a un pile de jeunes qui font DJ juste pour amuser. Oh. Qui juste gagnent un pile de musique et une musique. Donc, oui. C'est que les gens font la raison, ils ont fait DJ. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire un métier. Même quoi, c'est l'homme qui a commencé à composer, vraiment composer, faire la musique pour moi, que j'ai commencé à comprendre, OK, la musique, il parlait avec moi, il parlait avec moi, on l'autre gens. Le travail que je fais dans l'école et dans la médecine. Oui, parce que justement, tu es rentré dans la médecine en 2010, tu étais boursier. Complètement boursier. Tu étais en bourse complète, ou commencé, tu as fait 2 ans, et puis aujourd'hui, tu as campé ça là? Bon, je me souviens exactement ça qui est arrivé. Je suis en SoundCloud. Je suis en lagué musique sur SoundCloud, vol pour amis, pour famille, et je suis en train de faire ça. À l'heure ça, à 18 ans, je suis peut-être 300-400 play sur la musique. Toute musique. Et puis, il y a un blog qui prend une musique que j'ai fait en remix, en bootleg. Et puis, il a écrit sur le bootleg. Et à partir de blog, ça j'ai gagné 25 000 play en 24 heures. Et puis, là, j'ai vu ça, c'est ça. On parle de l'autre blog. Peut-être que je m'en fais si mal que ça. Exactement. Bon, je suis très musique en pile et je suis confiance dans son PAM, mais je n'ai pas réalisé que tout le monde savait après moi. Et puis là, ça m'a fait parler avec par moi. Par mon moment, on dit comment je vais dire ça? Je vais quitter l'école, je vais quitter la médecine. Bon, je continue. Ça, c'était le premier bootleg que je jouais en pile Love Soulie. Et puis après, ça il y a plusieurs personnes qui te contactent. Ils disent est-ce que vous avez fait un remix? Est-ce que vous avez lagué un single sur. Sur le label PAM, il y a deux autres DJ électroniques qui ont contacté tout, gros DJ. Et là, tout ça arrivé, c'était en période de 6 mois, on va dire comme ça. Et c'est là ça que je me suis dit, OK, ça va être sérieux, peut-être qu'il faut penser à ce que ça va être que je veux faire. Mais je me connais que lorsqu'on a décidé que on va camper sur l'école, est-ce qu'on va dire comment on va lever les mamans pour mal dire ça? Oui, et puis, un autre chose qui est vraiment important, c'est que j'ai toujours senti, là, je suis grandi, que tu es capable avec par moi que même si c'est un bail qui on connaît si ou lagué et l'école ou bien ou changer carrière complètement son bail normalement ou pas dit par ça parce que ou pas connaît ça a dire a parlé dans ta tour yo pas bail confiance même tu toujours senti même n'importe qui bail qui rive moi capable avec par moi et que yo te bon en bonne éducation yo te bon support yo te bon en pile l'amour. Mais là, avant, je me rappelle qu'en 2012, vous avez dit comme ça que vous avez dit qu'on prend une pause pour 1 an pour aller essayer de faire la musique. Oui. Si ça marchait, on continuer. Si ça n'a pas marché, on retourne à l'école. Bon, ça c'était par moi, ça c'était maman avec papa. Mais l'école là, j'étais même 5 ans. L'école là, dit on va essayer pour 5 ans et on ne perdre pas du et n'importe qui l'a ouvert, on va retourner. Mais pour qui sont-ils tout de chance ça? Pourquoi? Parce que j'étais une bonne note. J'ai une bonne note et bon élève. J'ai travaillé dans la communauté de l'école là et j'ai un bon rapport avec advisor biology que j'ai un bio major. Donc j'ai parlé avec lui presque chaque jour et puis the dean of students tout, j'ai parlé avec lui presque chaque jour. So là bah ça arrivé, j'ai compris OK, ça c'est un cas spécial et n'a pas confiance et puis si et puis j'ai connait tout que si musique n'a pas bien passé que son monde sérieux, m'a tourné, m'a fini l'école là, m'a fini étudiant. Sérieux, quoi. Okay. Vraiment, pour éducation vraiment sérieux parce que il change la vie, il permet moi joindre succès dans la musique. So, vraiment toujours pensé comme ça. Et là maintenant, on est en 2019, 7 ans plus tard. Et qu'il y a la période probation tu gagné mes parents ont fini, période probation l'école l'a fini et comment musique là. Bon, année ça, presque 2 années dernières, je ne sais pas quoi tout ce qui arrive. Nous avons commencé le concept Bayo, et puis Bayo grandit. Nous vendons plus que 10 000 tickets dans le tournée Bayo, et nous jouons dans plus que 10 cités, dans les États-Unis, au Canada. Et
avec un pile artiste et avec concept bio ça et concept tourné, hein, ça qui fait plus confiance la fier de lui, c'est que line-up là c'est complètement haïtien et nous vend tout ce qu'il y a avec un line-up haïtien. Tout monde ça vient dans plusieurs espaces qui normalement pas gain musique haïtienne, c'est musique internationale, rap, rock et l'autre musique. So, le on déplacement comme ça de monde haïtien, africain et monde caraïbe qui vient supporter ça et que nous vend 10 000 tickets dans tournée, ouais, que son bail vraiment qui bien passé. So, ça fait tellement fier. Et puis après de ça, tu travailles avec J Balvin et Coupe du Monde, la musique de Coupe du Monde, Bayo. Et tu fais tourner avec tout, avec Mr. Easy. Et je joue dans presque 40, 35, 40 cités avec eux aux États-Unis. Et puis on paquette l'autre bail qui arrive. Je suis tellement content. Parce que je joue support public haïtien, hein? Ça c'est famille, ça c'est la caille. Si vous jouez un support dans la caille, c'est difficile. Et puis après de ça, je dans un espace international que tous différents mouns, artistes, fanatiques, industrie, la presse, tout le monde a support. Il fait comprendre que ok, ça a bien passé, fait commencer tout, je connais qu'un pilote va venir l'année prochaine, hein? Et que je fais un bon choix. Mais pour toi, comment est-ce que tu vis le succès de ton fils? Je suis très fière de lui. On vit très proche, que on reste en communication. Mais Michael ne vit plus en Haïti, vous ne vous voyez plus? Je ne le vois pas. Tous les jours, on ne vit pas dans le même pays, mais on reste en contact. Mais pour les prestations, tu vas le voir jouer des fois? Des fois, j'avais été à un show de bio à Miami, c'était super. Tu as fait les photos, oui. Les vidéos pendant toute la soirée. Ça me fait plaisir. Mon mari aussi avait été à Boston. Et on essaie de faire ce qu'on peut, mais il sait qu'on est derrière lui. Mais en termes de concerts, est-ce que des fois tu te tournes aussi vers tes parents pour les conseils? Toujours. Je crois que tout succès que j'ai là, je dis, je dis que c'est l'éducation, c'est les parents qui m'ont support, qui comprennent toutes les difficultés que j'ai passées, tout succès que j'ai passé, et qui sont toujours là pour moi, la famille là pour moi. Et ça fait me réaliser que ça, c'est un travail que je voulais faire dans la vie, c'est jouer une façon pour aider l'autre monde, l'autre artiste, l'autre futur artiste, l'autre haïtien, jouer le même support. Ça. Parce que les changer la vie. Ouais, je sais, des fois, les parents sont un petit peu réticents pour quitter Timonio aller dans le milieu. Ça. Surtout que, bon, déjà que pour le milieu haïtien, il y a déjà plein, il y a toutes difficultés, et que surtout que toi, tu es rentré là-dedans très jeune. Donc, mais quand il y a là, que, où il y a une chance que tu quitte aller, et là, il y a un qui est plus global avec tous les risques que. Par contre, tu es très jeune, tu dois décider que quand il y a là, dans l'école va, ou tu as fumé des substances illicites, ou tu as fait des bagages qui partent. On parle pas voix qui est normal. Est-ce que vous n'avez pas eu de crainte sur ce point-là? Je dois dire, Daphné, que j'ai élevé mes enfants avec des principes. Et on est. Je suis la mère, ils sont des enfants, mais on a une relation honnête, ouverte. Et que j'ai toujours dit que vous pouvez me parler de n'importe quoi. Vaut mieux que nous sachions qu'on est au courant, on peut vous aider. Et qu'on avait cette ouverture. Ils n'avaient pas peur de nous dire ce qu'ils voulaient faire. On était un petit peu inquiète au début parce qu'il avait une bourse entière. Et on sait qu'il est très intelligent, qu'il pouvait faire un bon médecin, mais c'était son choix. Je voulais qu'il soit heureux dans sa vie. Qu'il a une vie qui est comblée, c'est ça qui fait une personne entière. On ne peut pas choisir comme parents. On peut les guider, nos enfants, mais en fait, le bonheur et le succès de l'enfant doivent venir aussi de chez lui. On est là pour les accompagner. C'est la philosophie qu'on suit dans la famille. Et que ça me fait grand plaisir de voir son évolution. Et on est resté très proche comme famille aussi. Et je crois que comme mère,
la plus grande joie dans la vie, c'est de voir un enfant complet. Que ça soit qui choisit dans sa vie. Mais dis-moi, là maintenant, Michael est presque parfait. Il fait des autres tout. Est-ce que ça va te punir quand tu étais enfant? Moi, j'étais des autres quand j'étais enfant. Qui pique des autres? Non, pas méchant. Il n'était pas méchant. Qui pique des autres que je me fait? Sans que je me fais courir dans la caille là. Peut-être craser un barrel, craser un barrel et faire des gars. Mais je suis toujours. Pourquoi je suis un bon enfant? Il était très aimable, même s'il faisait un petit désordre, on l'excusait. Il avait une punition, bien sûr. Avec ses frères, je suis quand. Vous avez combien d'années de différence? Deux mois. Un an et demi. Ça veut dire que très vite, nous avons fait deux cafés des autres. Deux mondes qui ont fait deux ans. Nous sommes gentils, nous sommes gentils. Nous sommes pas très propres. C'est quoi comme plus beau, comme meilleur souvenir que tu gagnes? Il y a plusieurs souvenirs. Je me souviens, ok, ça sont deux autres que je me fais. Je me souviens, ça vraiment me souviens. Et papa m'a acheté un ATV. Et pour moi-même avec femme, j'ai 12 ans, femme j'ai 10 ans. Et puis, nous avons un bureau, il fait acheter lui, bah, nouveau, il fait acheter. Il dit, ok, pas monter sur ça, je vais montrer qui je peux monter. Et puis, cousin, j'ai perdu. Il était qu'on monter chaque jour parce qu'il était une moto et TV tout bas. Et il était venu avec nous et pour visiter le bureau. Et puis, moto là. Et puis, il me dit, ok, je vais monter avec. Et puis, il me dit, Pascal, viens, nous avons un petit frère. Nous monter, nous allons aller, nous ne pas dire papa, nous ne pas dire maman. Nous allons nous flander dans le bureau, okay, faire jump, tout le bail. Et tout le bien passé. Et puis c'est là qu'on a tourné pour aller parquer et TV. Hein, que tu as eu un coup juste devant Carla, on perd le contrôle. On l'a fini. Frappé, presque tombé complètement, presque mourir, presque mourir. Et me frappé en pied-bois, sauté juste avant que me frappe. Et puis, tombé sur lui, mon toit crasé. Crasé net. Je ne sais pas qui j'ai les stocks. Je ne peux pas me garder mon toit. Nous tournons la caille, je parquais, je me gardais, je me crasé net. Ils sont parqués ça derrière une pile de roche. Ouais. Crasé mon toit dans le ciel. Crasé mon toit net. Je me parti papa. Et puis, nous montons dans la machine, okay, nous descendons. Et puis papa me dit, ah, vous connaissez, femme garde mon toit, je vais vérifier que tout va. J'ai tourné mon dos parce que c'était sur un pick-up. J'ai fait comme ça, j'ai vu le. Il dit, attends-moi. J'ai dit, ça pour toi, ça. Il fait qu'acheter ça, il va faire ça. Je ne me rappelle pas que c'était. Il descend de la machine, il a regardé mon toit, il va complètement crasé. Et puis il me goûte. Nous ne pas parler pour presque deux semaines, nous ne pas parler. Mais il était fâché. Tu avais quel âge? 12 ans. Ça c'était bah, puis des autres que je me fais dans la vie. Je me crasais mon toit. Mais ton papa a dit que tu as pu mourir comme ça. Oui. Parce qu'il t'avait dit de ne pas sortir. Bon. Crasais mon toit, Cyril. Mais bon, c'est une anecdote quand même. Mais maintenant, je suppose que tu es plus sage. Oui, beaucoup plus sage. Il est sage maintenant. Beaucoup plus sage. Maintenant que tu as 27 ans, que tu vis à l'extérieur depuis assez longtemps. Depuis 6 ans. Où t'es déjà parti à l'étudier. J'ai parti à l'étudier à 16 ans et puis j'étais dans le collège à 18 ans. J'étais premièrement dans Indiana et puis North Carolina. Puis après ça, j'ai vécu Miami et puis j'ai vécu New York. Ah, tu étais dans le tour de l'école militaire? Oui. Oui, de 16 ans à 18 ans, il est dans le bois. Mais ça aussi, c'est dans le bail qui est des disciplines. Discipline, l'ordre et organisation. Oui, organisation. C'est. Donc ça veut dire que tu es très discipliné. Oui, et m'utiliser ça dans la musique chaque jour. Mais parce que justement, dans le métier musicien, surtout en Haïti, c'est pas tout pour tout jeune monde qui est sérieux. C'est l'heure qu'il y a des voix à telle heure qu'il va commencer. Même pour l'activité, le programme annoncé pour telle heure. Ou bien nous fait deux heures de temps à attendre. Pour un monde qui est discipliné, comment on fait face avec ça? Moi, si vous avez discipline, si vous avez discipline ou une organisation, c'est pas que la faire vivre jouer un succès, non, mais la plus facile. Parce que, pas connaît, ok, si je travaille chaque jour, je ne vais pas améliorer chaque jour.
si ou pas travail, si ou pas gagne horaire, ou pas connaître ça qu'a privé. Donc moi-même m'utiliser ça dans musique là, dans studio, on connaît chaque jour mon studio, ma travail de telle heure à telle heure et dans et show, dans tournée, m'étais vraiment organisé. Nous te connaît, n'a commencé à 8h, n'a fini à minuit. That's it. Pas bien délai, pas bien n'importe qui l'autre bail. Et comme ça la vie musique est tellement difficile sans organisation, même avec organisation, il est difficile. So, je voulais essayer chaque jour d'aider le processus ça pour me rejoindre le succès. Tu as parlé justement de tes jeux au studio, mais ça même connaît tout qu'il y a un album qui passe aussi. C'est vraiment ton premier album. Mon premier album. Ou bien pile collaboration sur lui. Pile collaboration sur lui. Tu peux me donner un petit jeu, mes amis. Et je veux dire que je travaille avec un pile artiste haïtien et que moi j'aime un pile, que j'ai un pile respect pour eux, ça ça représente et musique que fait. Il y a des monde que j'ai en collaboré avec eux déjà, il y a des nouveaux monde complètement que bah j'aime travailler avec eux et gain tout style, gain ancien combat et bien rapport. Tu as jamais pensé à travailler avec ton papa? Moi j'ai une musique que me fait avec un simple scandale. Et ça c'était vraiment important pour moi parce que pour moi même ça c'est la like full circle que me fait tout travail ça pendant m'a fait musique depuis dernier 15 ans. Je dis à 27 ans, ça fait 12 ans que m'a travaillé sur musique. Je commencé vraiment musique et carrière moi à 19 ans, ça veut dire 8 ans et me senti que OK, finalement j'ai confiance pour faire un album et pour album ça son album haïtien mais son album global. Tu voulais que il y a un gens que on travaille avec papa là-dedans parce que c'est papa qui permet moi faire musique je veux dire. Et vous êtes très proche? Très proche. Même genre avec maman, avec famille, frère, sœur, nous parlons presque chaque jour, si nous pas parler chaque jour. Je me souviens justement que dans la première interview nous t'ai fait où tu as parlé que on joue avec tes sœurs, on compte toujours parler tout de cuisine maman. Oui. C'est quoi ton plat préféré dans toute ça avec vous? Il fait un peu le bon manger. Vraiment, même pas être, même moi, je me présente, je vais me bon. Et manger tellement bon. Je suis honneur chaque jour de manger. Là, quand même. Maintenant que tu n'es même plus là. Oh, je songe ça chaque jour, je regarde sur Instagram. Non, c'est sûr. Nous avons FaceTime. Je suis le FaceTime. Des fois, on m'appelle. Je fais quelque chose. Comment faire ça? Tu cuisines aussi? Bon, j'apprends. Pas même avec moi. Même si je suis vraiment fort, les oui, comme ça. Oui, ma fille est très forte. Moi, ce que je me aimais plus, c'était les cookies. Chocolate chip cookies, incroyable. Et je me aimais curry, tout. Qui c'est son bail en curry guyanaise, que moi, je me suis fait. Et vous trouvez cette ça déjà? Ça a difficile. Ma fait des bails simples. Ou plutôt film manger à Haïti. Oui, plutôt tourner. Et me tourner, mais c'est tourner. Il faut garder quelques secrets pour qu'il puisse tourner ce soir. Hein? Mais c'est tourner le plus que possible. Mais c'est tourner peut-être chaque 2-3 mois. Mais là, tu as 27 ans. C'est assez grand. Donc, est-ce que tu penses à fonder une famille de ton côté? Oui. Oui. Pas vraiment. Tu as peur de ça? C'est ton fils aîné qui va partir. Là, pas les merdes. Oui. Quand il décide, on le supporte, on son choix. Parce que déjà que là, mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu pourrais revenir habiter en Haïti? Oui. J'ai vraiment aimé faire ça. Et je crois pour tout le monde, tout. Si je suis venu à tout le monde un jour. Ça veut dire que tu es tellement grand que tu parles de ça. Oui, bon, 27 ans. Non, j'ai vraiment aimé ça parce que je connais que dans la vie, et, Haïti. Haïti son côté spécial, difficile, il y a un peu de difficultés dans la vie, mais je crois que les bombes puissent passer n'importe quel autre pays. Si je vivais aux États-Unis ou bien je vivais n'importe quel autre côté, je ne pas bien la vie, je veux dire. Et je crois que l'histoire ici, son histoire vraiment spéciale, et qui bombe force, qui bombe vision. Et je voulais même aller là pour tout le monde, un jour. Ah, mais là, par exemple, ton frère, il avait étudié à l'extérieur aussi, il est revenu, donc il est établi et tout ça, tout se passe bien aussi pour lui. Donc c'est peut-être que c'est ça tout qui vient pour voir que c'est possible de revenir. Oui, bon, je vais dire un bail,
j'ai un passeport ici. Fait en Haïti. Là, j'ai appliqué pour le collège, j'ai fait toute l'application ça. Bout que me joindre, c'était parce que. Ça, c'est le lot. These are my babies. You're so sick of what they've been doing. Hi, guys. So sorry. Okay. Vous aimez les animaux, hein? Oui. Cassie. This is a very family. Can I put them back in? Oui. On a eu une petite étrousure là, avec les chiens. Mais là, justement, est-ce que... Ou pas là très souvent, mais qui est-ce que nous guettons pour nous faire vacances ensemble? Bon, nous faisons passer en vacances et pour fête, moi. Donc, justement, j'allais dire ça que tu as rentré pour ton anniversaire. Mm-hmm. Oui. Et nous allons directement dans Decameron, dans la mer. Moi-même, la mer en pile. Moi-même, montagne en pile. Et nous passons deux jours ensemble. C'était toute la famille? Toute la famille. Bon, c'était et ma maman, mon papa et mon frère. Ah, bon, tu n'es pas là, elle n'a pas étudié? Oui. On était sans gel. Oui, ma besoin. Pour la vidéo. Ah, moi, j'ai un homme à bouler. Pour diable. Mais là, Kounia, quels sont tes projets? Bon, et l'album Absorti. Il y a l'Absorti. Regardez ça, c'est la première fois que je parle de ça. Mm-hmm. L'Absorti en juin. En juin. Au début, fin juin. Fin juin. L'Absorti en fin juin. Ma panne, c'est d'être là bientôt. Et... Mais là, c'est quand entièrement fini? Entièrement fini. Il finit depuis mars. Okay. Fini depuis mars. Mais nous avons un gros roll-out que nous avons fait pour lui. Et... Un bon release party, quelque chose du genre? On a travaillé sur ça en Haïti. Et t'as vraiment... Oui, parce qu'il y a des choses qui te reprochent. Par exemple, que Bayo est passé dans plusieurs villes aux États-Unis. Et puis Bayo, depuis la première édition tout petit, oui, qui t'est faite, Citose. Bon, nous avons deux, nous avons fait une jalousie et puis une oui, citose. Ça, jalousie, après. Oui, après. Et vous connaissez ça, oui. Moi, ma oui, travail sur ça. D'ailleurs, justement, il faut bien parler de ça pendant que tu dis que tu vois ça. Parce que sur Internet, là, justement, il y a eu beaucoup de commentaires sur Bayo. Il y a été positif, peut-être qu'il y a eu commentaires négatifs, tout. Mais tu as pris le temps de répondre à tout le monde. Il y a des gens qui t'ont dit que ah, on n'a pas besoin de répondre ça, on n'a pas besoin de répondre ça. Mais le appli commentaire ça c'est avec quel sentiment que vous lire? Bah ouais, tu as un commentaire négatif non? Ça commentaire que me dit ouais, c'est que moun te vle que artiste pa yo nan ba yo. Et pour moi même ça son bon bay parce que ça veut dire que yo bay yo ouais que ba yo son bay qui gagne succès. Et chaque jour m'a parlé avec des nouveaux artistes chaque jour. Nous on j'ai poisson d'avril ouais. Ah on dit ça je ça. On me fait ça exprès parce que moun t'aime mes commentaires et moi il y a des fois peut-être moun pa konnen que pas sérieux comme ça mais sérieux dans travail moi même ka rire tout ka bay blague et puis pendant m'ta parler avec plusieurs moun et gen des moun qui dit faut que mette artiste ça et puis gen plusieurs moun qui dit ça de artiste moun gen t'en parler avec yo ou bien yo gen t'en nan bay yo déjà mais moun pa konnen et par exemple, tu as un Baki, tu te dis, ah, pourquoi ça, Baki n'a pas parlé? Je parle avec Baki depuis longtemps de ça. Puis Baki était dans le dans jalouse. Même pas pour Richard. Oui, je c'est là. Tu as une vidéo très touchante. Tu as un Simon qui devait chanter. Il chantait tout Power. Tout Power, cicatrice. Cicatrice. Complètement, il était connu. Et puis, Baki était dans. Moi, c'est presque le premier Bayo que je me fais. Et même pas pour Richard, je dis, pourquoi ça, même pour Richard. Puis il y a un peu de monde qui dit, mettez Wendy, mettez. Ou di, gen yon paquet d'artistes, yon mande msa chak jou, m'a parlé avec presque tout le monde déjà. Ça veut dire que Bayo va recommencer et que la gen plus moun toujours fois ça. Ça m'a dit, c'est que Bayo gen yon esprit là dedans, yon esprit positif, gen yon esprit de famille et dans tout artiste ça. Donc ça m'a pensé faire, c'est pas mettre tout le monde depuis commencement et nous pas qu'à travailler sur ça. Parce que gen les différents type de monde côté faut qu'on bien travaille ensemble. Ça c'est pour moi même, c'est pour qui ça ba gagne succès aujourd'hui parce que nous faire vraiment
travail sur lui, c'est pas un bail n'importe qui gens que OK, on a fait un show, on avait tout artiste, gros artiste et puis on a voir qui ça a privé. C'est pas comme ça arrivé. Ou t'es ouais ça dans le premier bail dans Titoz. Pas gain de gros artiste non vraiment, t'es gain. Toi avec Tony Mix, les gens c'était vraiment. T'es gain toi artiste qui vient supporter, ouais, jouer là-dedans, il vient supporter et concept là. Moi, à l'époque, c'était une fête sur invitation. T'es gain 50 monde et puis m'ai invité plusieurs monde, plusieurs fanatiques qui sorti de jalousie ou bien de cité soleil que m'étais parlé avec yo que c'est monde qui t'a dit gien des tout gros programme ça yo m'pa ka jam venir parce que m'pa ka payer et me dit OK m'a fait un bail gratis ou pas besoin payer m'a venir là-dedans m'a invité yo parce que yo bon support et c'est comme ça que les commencer son bail en famille et c'est comme ça bail a toujours en bail en famille depuis avant n'importe qui gros nom ou bien sinon bla non son bail en famille premièrement son bail positif son bail qui montre et richesse de musique haïtienne et puis visuel haïtien tout parce que gien photographe gien artiste gien monde qui fait et tout des vidéos pour musique et manger gien tout bail qui représenté dans bail et m'a pensé de ça c'est culture haïtienne qui m'a pensé bien représenté sur tout monde qui ça qui dit yo mettez artiste ça Il n'est pas nerveux, non? Moi, j'aime ça parce que ça veut dire que vous voulez une représentation dans le bar. Et je travaille sur ça. Donc, c'est tant mieux. Donc, mais là, justement, tu as continué à parler de projet, oui, donc on peut y revenir. Donc, tu me disais que tu as un album là. Et puis, avec éventuellement un release party en Haïti et pas de tournée en perspective. Et il y a un gros tournée qui va venir. Il y a plusieurs tournées. Mais est-ce que c'est en tournée que c'est toi-même qui va vraiment lancer ou bien comme si tu vas avoir des spectacles à l'extérieur qui pas force parce que là pour Bayou on compose quand même. Donc ça va être une tournée pour donc il optique libre aller tourner ça. Bayou connaît Bayou son brand. Bayou gagne et pas besoin dans Bayou pour Bayou continuer. Et j'aime te espérer que il va grandir c'est que lui présenter l'autre artiste. Donc à partir de Kounia, prochain barreau a présenté toute qualité artiste. Pas besoin d'en nécessairement. M'ta remet et continuer travail sur lui. M'a là tant que producer dans projet, même pas besoin performer exactement. Et m'gien plusieurs l'autre projet que m'a fait tout. Gien des projets avec des artistes haïtiens, m'gien t'en commencer avec eux et je savais tout que vous avez collaboré avec Audio Institute qui est dans Jacques Mel. Oui. Donc, cette collaboration, ça a toujours continué? Continue ça, toujours. Je continue de travailler dans toute la vie avec. Je voulais travailler avec l'éducation. Parce que moi, dans la vie, ça, l'éducation a changé. Chaque jour, les bonnes forces, les bonnes capacités de faire des bons choix, organisation, et de. Bon, il vient un potentiel que je connais, que je connais. Et c'est même avec la famille. Je crois que deux bases, ça, éducation avec la famille. Si vous avez ça, vous avez force. Et donc, c'est pour ça que dans tout le travail que je fais, toujours à penser de l'éducation et qui j'aime continuer à supporter plusieurs autres monde, exactement. Donc, voilà. Nous, là, quand Michael, bon, nous avons essayé de découvrir l'autre facette de lui. Mais j'espère que nous entendons son petit monde qui était mais toujours bien sage et sa maman est très fière. Donc voilà, il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, un conseil? Joyeuse fête des mères à toutes les mamans, toutes les grand-mères, les tantes, tous ceux qui sont dans un rôle de mère. Je vous souhaite joyeuse fête des mères parce que les mères en Haïti, c'est la femme qui supporte la société. Je crois que c'est très important de les célébrer et de mettre quelque chose de spécial un jour pour montrer un amour, une affection spéciale pour un moment. Et puis, merci pour l'invitation d'aujourd'hui et de m'asseoir à côté de mon fils. Ton fils aîné. Mon fils aîné. Et puis. Et j'espère qu'on me suit si... Oh oui, mais il faut vraiment suivre sa page. C'est Sharon Bouin, Sharon, S-H-A-R-O-N, underscore, Bouin, B-R-U-N. Moi-même, peut-être pas, je regarde toujours les photos, quand j'ai des petites vidéos et tout, et puis à la recette en bas. Et j'essaie de suivre, mais bon, on va réussir. On va continuer.
Peut-être pour me faire de séance spéciale, de FaceTime. Ouais. Et toi, Michael, quelque chose que tu voudrais ajouter? Joyeuse fête de mère, quoi, ça que moi-même dit vraiment important que c'est tout PIA, c'est et mère et soeur et tante et grand-mère, tout c'est tout le monde ça dans la vie, toute femme qui bon support, qui bon et confiance, qui bon et tout ça qui est bon dans la vie, vraiment, je dis que c'est venu dans le monde. Et j'espère que tout le monde qui a célébré la fête de mer, n'a pas célébré. Ah, mais là, tu n'étais pas là pour la fête de mer aux États-Unis et tu n'es pas là, tu ne veux pas là aussi. Je ne veux pas. Donc, pour la dernière fête de mer et la fête de mer aux États-Unis, je suis les mamans. Je m'en prie encore pour. Voilà, hein? Justement, c'est ça qui est bon. Pour tous les deux. J'ai réalisé une chose. Nous avons nos enfants, mais ils ne peuvent pas toujours être avec nous. C'est le moment qu'on est ensemble mm-hmm. qui compte. Qu'il faut le mettre en valeur, même si c'est 24 heures. Tu passes le meilleur 24 heures que tu peux. Mm-hmm. C'est ce qui est important. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci aux mêmes qui t'ont suivi nous. Là, j'aime te dire notre début d'émission, nous avons une série spéciale que nous faisons pour Fête des Mères. Nous allons dans l'intimité artistique, nous parler avec maman yo, pour nous accuser que vous avez grandi, apprendre de petits bagages que nous ne connaissons pas. Donc, merci de ce que vous avez suivi nous. Nous avons notre émission toujours à venir sur la même série. Je ne sais pas si dire nous qui est, mais il y a d'autres personnes encore que nous apprenons. C'était avec nous Daphné Valsin et c'est un plaisir pour moi animer une autre émission encore pour nous. Merci.